Attention, l'attaque tournante se met en marche. N'acceptera plus jamais ces conneries. Ok ? Des animaux. Conneries de peuple. Qu'est-ce que je peux faire ? Un mutant ? Un hurleur ! Un humain ? Comment ? Oh ! Oh, bon sang ! C'est ton nom qu'elle crie ! Vivant ! Tu es venu pour elle ? Très bien, très bien. Je vais t'aider. Je vais pouvoir me rendre utile. Ok. Ils ont emmené la fille au chef de la base pour l'interroger. Je ne peux pas te conduire à l'entrée principale, il y a trop de gardes, mais on devrait pouvoir passer par derrière. Route, mais doucement. Si jamais tu te fais repérer, on est foutu. Attends. Évite de marcher dans la lumière. Voilà ce qu'on va faire. Tu te glisses jusqu'à la commande d'éclairage pour l'éteindre, moi je fais diversion. Éteins la lumière. Devoir t'occuper de lui. Allez, tu peux le faire en silence. Sous contrôle. En fait, il arrive à quoi aujourd'hui pour réparer. Ah, ça fait je pas. J'ai un problème. Ah, Yernak. Ça commence. Ouais, la vieille. Maintenant, jette-la. J'espère que le bruit va attirer son attention. Vous êtes tous morts. Peu importe qui vous êtes, vous faire votre... Ferme ta
Ici. Il faut qu'on sorte de là avant qu'ils récupèrent. Préparez-vous, les gars. Les gars. Traversez la cour discrètement et prenez la porte où passent les gardes. Par ici, vite. Allons-y. Qui êtes-vous? André, il va nommer Sherman, le conducteur du train. Filez, atteignez le hangar. Et si tout va bien, je vous sortirai d'ici. Ils me connaissent, je pourrais circuler facilement. J'ai eu... Ah, je te raconterai plus tard, j'espère. Soyez prudents. Artyom, je vois l'ennemi. Donne-moi un coup de main. On n'y voit pas grand-chose avec cette tempête de neige. N'oublie pas ta jauge de visibilité, Artyom. Tu ne bouges pas trop vite, passe pas dans la lumière, ils auront plus de mal à te repérer. N'allume pas ta lampe de poche, je pourrais la voir. Yeah.
Redéployez-vous sur la salle des générateurs. Tu peux avancer plus fort. T'as besoin de jouer les héros pour changer. Attends, on est à ma place. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? La voie est libre. Qu'est-ce que je suis content de voir? Est-ce que tout va bien? Ça va, merci. Très bien. On n'a pas beaucoup de temps, ils vont revenir. J'avance à la loco, elle devrait être prête. Tu vas monter et activer le mécanisme de la plaque tournante. Et surtout, fais bien attention, on risque d'avoir toute la base. Je vois. Je vois. Je vois.
Atrium, on a besoin de cette plaque tournante. Atrium, on manque de temps. Chacun d'entre vous. Très bien. Tout le monde la ferme. J'arrive pas à y croire. Bordel. Merde. Alors c'est vrai? Tu travailles pour eux? Tais-toi. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, et puis on s'en fout. Aucune importance. Vous avez pas idée du merdier dans lequel vous vous êtes fourré. On est coincé. Hansa ne peut pas laisser passer ça. Sans les gardiens ne voudront pas. Non. Je ne me tairai pas. À quoi sert ce brouilleur? Pourquoi il cache le fait qu'il n'y a pas que Moscou qui a survécu? Là, dans le ravin, il y a des gens, d'autres villes, morts, jusqu'au dernier. Tout le monde la ferme. Des femmes, des enfants. Je vous expliquerai plus tard, en détail. Grand-père, qu'est-ce qu'on trouve plus loin, sur cette voie? La voie est sûre, au moins sur une centaine de bornes. On peut se mettre à l'abri, pas trop loin. Bien sûr, mais il faut se dépêcher. Ils ont appelé le croiseur. Très bien, messieurs. Artyom et Anna viennent de foutre un sacré bordel. Et ils peuvent pas rentrer à Moscou. La loi martiale exigerait qu'ils soient exécutés.
Quoi qu'il arrive, il faut que je les fasse sortir de la ville avant que ça se complique. Mais vous, vous restez. Compris, Major ? Mes hommes n'ont strictement rien à voir avec ce... Vous savez que c'est malentendu à propos du brouilleur. Moi, je me battrai pour eux quoi qu'il en coûte. Bien sûr, Artyom, Anna... L'ordre n'abandonne personne. Si c'est pas vous, qui c'est qui ? Très bien, Spartiate. Foutez cela dehors et à toute vapeur. Viens avec moi, Artyom. Allons prendre l'air. Je suis contente que les gars nous aient soutenus. On dirait que mon père ne leur avait pas parlé de tout ça à eux non plus. On a passé 20 ans dans le métro à croire que le reste du monde avait été calciné pendant la guerre. Mais ils ont cerné Moscou avec ces foutus brouilleurs et on n'y a vu que du feu. Un plan parfait. Thank you.
colonel Melnik. On se calme. On ralentit. On n'est plus seulement des traîtres, mais carrément des saboteurs ennemis. Nous nous sommes arrêtés à une centaine de kilomètres de Moscou pour consulter nos compteurs GGR. Le fait est qu'ils sont tous dans le vert, comme s'ils faisaient partie d'un complot. Mais cette nouvelle stupéfiante n'a pas l'air d'impressionner grand monde. Les gars se demandent ce qu'il convient de faire à présent, et moi... j'attends des réponses. Et j'espère que le commandant, qui avait récemment encore toute ma confiance, saura nous expliquer son raisonnement de façon très persuasive. Carrefour, si on peut dire. Et on peut pas s'empêcher de se demander... Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Ouais, plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Mais toi, tu sais à quoi t'en tenir. Alors, ton compteur, il fonctionne? Tu l'as vérifié? Oui, il est dans le vert, aucun doute. Celui de Stéphane aussi. Pas besoin de masque ici. Alors, il disait la vérité. Qui disait la vérité? Pourquoi tu ne réponds pas? Qui étaient ces gens qui ont essayé de nous tuer? Comment ils peuvent tirer sur toi alors que tu es le commandant de l'ordre? Tu nous dois un minimum d'explications. Très bien. Autant cracher le morceau tout de suite. La guerre n'a pas pris fin. Comment ça n'a pas pris fin? Laisse-moi finir. Nos villes sont détruites pour la plupart. Le reste du pays est probablement sous occupation ennemie. Pour éviter de nouvelles attaques nucléaires contre nous, le commandement a choisi la seule solution viable, faire le mort. Pour garantir le silence radio, le système bouclier
a été créé. C'est un réseau de brouilleurs radio qui couvre Moscou et sa banlieue. Histoire que quelques mordus de radio ne nous fassent pas pleuvoir d'autres bombes sur la tête en chouinant sur les ondes. Et c'est un de ces fameux brouilleurs qui a été désactivé à cause de vous. Tu n'aurais pas pu nous en parler plus tôt? Par exemple, avant si qu'Artyom sorte avec sa radio et se prenne toutes ses radiations? Non! J'ai été informé il y a 6 mois seulement. Et on m'a bien fait comprendre que si je l'ouvrais, j'étais un homme mort. Alors j'ai dû faire croire à mes hommes qu'on sécurisait une station météo. Chef, avec tout le respect que je vous dois, si on peut pas y retourner, peut-être qu'on devrait aller de l'avant. J'ai bien une idée, mais... Tu ferais mieux d'allumer ta radio. On devrait être hors de portée des brouilleurs, maintenant. Alors faites ton mieux. Cherche des transmissions émanant de l'Arche. Tu comprends maintenant pourquoi nous sommes des traîtres aux yeux du commandement. On a désactivé une station de brouillage, abattu les gardes, détruit un train de patrouille, et on a fui Moscou. Pas besoin de procès quand l'affaire est aussi évidente. Impossible d'y retourner. Attends, c'était quoi ça? Écoutez, vous tous! Très bien. À quel endroit est-ce que ces chiffres correspondent? Ah, je l'ai. Alors, c'est quelque part par ici. Le mont Yamantaou. Alors, pour l'atteindre, il faut passer par là. Voilà notre objectif! Alors, c'est ça que tu avais en tête? Oui, exactement. Le projet Arche est une véritable ville souterraine. Des entrepôts immenses, des machines, les meilleurs experts. C'est le QG du commandant en chef. Tous les dirigeants du pays s'y trouvent. Ils ont même déjà commencé à tout réhabiliter. On va leur dire que Moscou a tenu bon. On n'a pas fait tout ça en vain. Tout va changer maintenant. Tout, vous comprenez? Une nouvelle vie commence pour tous les survivants de la guerre. En fait, il y a des femmes célibataires dans cet endroit. Excellente réaction. Alors, je crois que quelque chose s'impose. Envoie la sauce, Damir. Envoyez quelle sauce, colonel? Ce truc que j'entends clapoter dans ta gourde. Dis-donc, tu crois que je suis sourd ou quoi? Ah, ça! Oui, pendant un instant, j'ai cru que mes oreilles me jouaient des tours. L'oral, c'est pas la porte à côté, hein. Alors, autant se mettre à l'aise, hein? Vous croyez pas? Il faudrait qu'on bâtisse ce tas de ferraille au moins, non? Il est plus que temps, oui. Appelons-le Anna, ça ira bien. Va te faire voir. De mieux en mieux. Allez, quoi? Pourquoi pas l'Aurora? Comme Aurore, la déesse romaine de l'aube, et aussi le croiseur de... Vous savez, quoi? Beaucoup mieux. Eh, pas mal. Ça me plaît. Un nom ravissant. C'est joli, oui, mais le croiseur de quoi? Je t'expliquerai plus tard. On dirait que c'est décidé. Buvons à l'Aurora. À l'Aurora! Hey, Artyom, jetons un œil à cette carte. Très bien. Une tournée, ça devrait suffire. Yarmak, en avant à toute vapeur. En avant à toute vapeur. Eh bien, c'est vraiment loin. Je me demande combien de temps ça va nous prendre. Comment tu te sens? Oh, Anna, j'espérais que tu plais. J'ai la place. Après toutes ces années passées sous terre, l'air de la surface semblait incroyablement frais, enivrant. Mais l'équipage était euphorique pour une autre raison. Le message reçu du bunker du gouvernement dans l'Oural scellait le véritable but de notre voyage. 20 ans durant, on a cru que ni le gouvernement ni le haut commandement n'avaient survécu. Il s'avère qu'ils sont toujours en place. Où étaient-ils alors qu'on s'entretuait tous dans le métro? On aura beaucoup de questions à leur poser quand on arrivera à Yamantaou, si on y arrive.
D'après Melnik, les ruines de notre pays sont contrôlées par l'ennemi. Et il faudra se battre pour parvenir à notre objectif. Une équipe réduite contre les forces d'occupation. Quelles sont nos chances d'y arriver? Et d'obtenir toutes nos réponses?